Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'ai fait en vidéo live le tirage au sort des deux personnes pour pouvoir après me reprendre les stands plateforme sur Action, les deux que j'avais prises en plus pour rendre service en fait. Je vous redis vite fait les deux gagnantes. Donc c'est Patty Zander et Atigrou. Ensuite, je vous ai donc annoncé que j'allais, comme on me l'avait demandé, on m'avait demandé si j'avais des albums 30-30 à vendre. Donc, j'ai fait le tri cet après-midi de mes albums 30-30. Et voilà, j'en ai à peu près une vingtaine. Donc, je vais essayer de me dépêcher pour pas que ça dure trop longtemps. Je vous dis à chaque fois, je vous montre à chaque fois, vite fait, l'album. Donc, hop, celui-ci. Donc, c'est le Black and Gold de chez Action et il manque une feuille. Donc je vous montre un peu. Bon, je vais essayer de vous montrer quelques feuilles. Voilà. Il y a des fleurs. Il y a du foil. Y a encore des fleurs. Bon, il y a vraiment beaucoup de petits feuillages. C'est pas du grand feuillage, c'est du petit feuillage. Voilà. Et donc celui-là, il en manque une. Je vais mettre ça derrière. Ensuite, en noir et blanc, il y a le Black and White Collection. Donc celui-ci est neuf. Et les feuilles sont recto verso. Je vais essayer de vous rapprocher pour que vous voyez un petit peu mieux. Voilà, là c'est des petits nounours. Là c'est des animaux marins. Voyez, là par exemple, il y a des animaux de la savane. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu plus vite. Là c'est des méduses, du carreau, des feuillages et des petites voitures que vous voyez à l'envers. Là, donc des petites framboises, feuillage. Là, c'est du marbré et en bas des pots de miel et de confiture. Voilà. Là, c'est des petites filles, hein. Enfin, des jeunes filles. Je sais pas si vous voyez. Hop. Et ensuite, ça recommence. Donc celui-ci, il est neuf. Hein. Il ne manque aucune feuille. Ensuite, vous avez cet album qui s'appelle Unique Story, qui est neuf aussi. Donc je vais essayer de vous montrer assez rapidement. C'est dans les tons rouges. Hein. Hop. Alors je suis désolée, je vous montre ça un peu rapidement parce que sinon j'aurai jamais le temps de vous montrer tous les albums. Ça va être une vidéo qui va durer trop longtemps. Donc là, c'est encore un bloc 30-30 avec recto verso. Et il est neuf. Ensuite, il y a, je pense que c'est l'album où il manque le plus de feuilles. Il en manque 6. Donc, bien sûr, hein, vous savez que je me refuse à faire des bénéfices sur ce que j'achète et que je vous revends sur Vinted. Donc, il est hors de question que je vous achète, que je vous vende des blocs à des prix mirobolants. Donc, par exemple, celui-ci, je sais très bien qu'il en manque 6 et que je ne vais pas. Il est hors de question que je le vende. Voilà, donc par exemple, celui-ci pourrait être très bien mis en plus à une personne qui m'achète plusieurs albums, par exemple. Voilà, ça pourrait très bien être mis en plus. Ensuite, ici, il manque une seule feuille, c'est le basique. Donc c'est dans les tons jaune et bleu et rose. Je vous montre assez rapidement, il est recto verso. Voilà, c'est dans les tons jaune, bleu et rose. Ensuite, vous avez celui-ci qui s'appelle Timeless Memories. Donc dans les tons bleu. Bleu et beige. Alors celui-ci, il y a des très jolies photos vintage. Il manque seulement une feuille. Vous voyez comme il y a des très jolies photos vintage.
celles qui aiment faire tout ce qui est junk journal, etc. Voilà, j'essaye de vous montrer au mieux. Vous voyez, il y a des très jolies photos de mariage. Hop. Oui, voilà. Donc c'est recto verso et il manque une feuille. Là, je ne sais encore pas comment je vais faire. Hein. Si je veux faire des lots, si je vais faire à la pièce, sachant que à la pièce, ce qui m'embête, c'est qu'on ne peut pas mettre moins d'un euro pour les articles de chez Vinted. Donc c'est pour ça que je pensais faire des petits lots. Donc ici, il manque. Ah oui, ici il manque 5 feuilles. Donc c'est un dans les tons bleus et c'est beaucoup des toutes petites fleurs. Alors, pas tant que ça, mais il y a des petites fleurs, des quadrillages, des petits nuages. Voilà. Et là, il manque 5 feuilles. Donc, par exemple, je peux très bien mettre à celle où il en manque le plus, en rajouter. Enfin, rajouter des feuilles, par exemple, puisque je vais vous montrer les blocs où il manque 5 feuilles. J'ai tout un tas ici de feuilles. Alors bien sûr, ce ne sera pas forcément des feuilles coordonnées au bloc, mais j'ai tout un tas de feuilles ici qui viennent d'anciens blocs que je n'ai plus du tout. Et donc, je rajouterai des feuilles pour qu'il y en ait 30 dans chaque album. Il est hors de question que vous n'ayez pas autant de feuilles que prévu. Donc celui-ci, c'est le Love and Hugs dans les tons rose et violet. Et il manque 2 feuilles. Je vous montre vite fait. Un peu aubergine aussi au niveau des couleurs. Après, bon, c'est les mêmes. Hop. Ici, vous avez le bloc Once Upon a Time. Il manque 3 feuilles. Oiseaux. Voilà. Ensuite, j'ai ce bloc-ci qui est un bloc qui n'est pas très très vieux, un design pad de chez Action qui est neuf. Donc, dans les tons rose et violet, un peu de gris aussi, il y a du foil. Et c'est des feuilles seulement recto. Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est vrai que des fois, je crush sur une. Je craque sur un bloc. Et puis finalement, bah, en y réfléchissant, je me dis, bon, soit je l'ai déjà, et j'avais pas fait attention. Soit j'ai des autres papiers qui lui ressemblent et je ne m'en sers pas forcément. Donc comme là, en plus, je ne vais pas pousser les murs. Donc celui-là, j'ai dit, hein, il est neuf. Je ne vais pas pousser les murs de ma scrap room. Et comme je trouve d'autres blocs, bah, je préfère voilà, les revendre. Donc sur celui-ci, il manque 3 feuilles. C'est le Urban Style. Je vous montre. Il y a du très joli papier aussi. J'espère que vous arrivez à voir. Bon, là, c'est les mêmes. Donc là, il manque 3 feuilles. Vous avez celui-ci qui est le basique. C'est un craft et noir et blanc. Il manque 2 feuilles. Il y a du foil aussi hein, sur celui-ci. Vous voyez, ça brille. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques pages en foil. Voilà. Donc là, il en manque 2 seulement. Ensuite, vous avez ce bloc-ci, le Nature at Earth, où il manque une feuille seulement.
Donc celui-là, voilà, ça va être bois, nature, des fleurs. C'est un peu un mélange des genres. Et puis après, c'est les mêmes. Donc là, il manque seulement une feuille. Ensuite, vous allez avoir ce bloc-là qui s'appelle Graphic Art. Là, c'est pareil. Il y a beaucoup d'images un peu vintage. Il est recto verso aussi. Et par exemple, cette page, elle est très jolie. Celle-là aussi. Après, c'est les mêmes. Donc celle-là, elle est neuve. Il est neuf, celui-là. Ensuite, en album neuf, vous avez celui-ci, dans les tons vert, gris et jaune. C'est le design pad de chez Action, avec du foil. Donc je vous rappelle, hein, les prix avec foil, c'est 2,69 € chez Action. Et les blocs normaux, c'est 1,99 €. Enfin, je vous rappelle, hein, pour que vous sachiez de ne pas non plus vous faire arnaquer sur Vinted. Là, il y a du foil. Et celui-là, il est seulement recto. Donc, il est neuf. Alors là, j'ai un tout petit bloc un petit peu spécial. Ce sont des pages pour alors, c'est un produit Artemio, hein, c'est pas du tout du Action. Et c'est un bloc tout fin. Je ne pense pas qu'il y ait les 12. Je pense qu'il n'y en a que 10. Mais voilà, celle que ça peut intéresser, je vous montre les, hop, je vous montre les dessins assez rapidement. Il y en a deux à chaque fois. Donc là, c'est un rouge avec un peu texturé. Ensuite, il y a celui-ci qui est très joli avec les anges. Il y en a deux. Encore une sorte de rouge un peu plus, on va dire, plus foncé. Voilà. Donc là, il y en a 2, 4, 6, 8 et 10. Il en manque 2. Ah oui, en fait, il manque celle-ci, c'est la rayure. Voilà. Donc ça aussi. Donc ça, c'est du Artemio. Pour info, ça coûtait 12,80 €. Vous voyez un petit peu le prix de certains blocs, c'est hallucinant. Ensuite, vous allez avoir le Floral Dream de chez Action, où il manque une feuille. Donc là, vous allez avoir beaucoup de fleurs, de petits détails. Après, c'est les mêmes. Donc là, il manque une seule feuille. On arrive bientôt à la fin, il manque deux. Vous avez celui-ci, le floral, où il manque deux feuilles. Vous connaissez sûrement, hein, celui d'Action. Donc c'est dans les tons rose avec du foil, rose et violet. Donc celui-ci, il en manque deux. Et ensuite, vous allez avoir celui-ci dans les tons vert, pastel et rose, et qui est plein. C'est le design pad de chez Action avec du foil. Je vous montre, ce sont des pages recto seulement. Alors, si vous voulez me mettre par exemple en commentaire, ben, ce que vous préférez, hein, à faire au niveau des ventes, si vous préférez que je mette par exemple les blocs séparés, alors voilà, je vous l'ai dit, hein, je ne peux pas les mettre à moins d'1 €, malheureusement. Sachant que les blocs où il manque des feuilles, je vous mettrai des feuilles. Hein, ce ne sera pas les mêmes feuilles que le bloc, mais vous aurez toujours des blocs pleins. Je rajouterai dans vos blocs des feuilles pour que vous ayez bien. Si c'est des blocs où il y en a 30,
vous en aurez 30. Si c'est les blocs, il y en a 24, vous en aurez 24. Voilà, je mettrai toujours la totalité d'un bloc. J'attends vos commentaires pour avant de les mettre sur Vinted. Je pense que ce sera plutôt fait demain, pas aujourd'hui, j'aurai pas le temps. Donc demain au cours de la journée et en fonction de ce que vous m'aurez mis comme choix dans vos commentaires. Si vous voulez que je fasse des lots, si vous voulez que je les mate un par un et que vous puissiez acheter ce que vous voulez. Donc, je vous laisse me mettre les petits commentaires. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, à bientôt. Au revoir.